Je m'appelle Modibo, j'ai 11 ans. Moi, je voudrais un téléphone et des baskets. Plus tard, je veux devenir conducteur de train. La petite fille là, c'est ma sœur. Elle est très intelligente. Elle sera médecin ou présidente du Burkina. La dame à côté, c'est notre tante. Elle nous aidait parce que nos parents sont morts d'accident il y a 3 ans, quand les médicaments étaient trop chers. Quand on la voit comme ça, on n'imagine même pas qu'il y a un an, ma chère n'aurait jamais pu courir. Elle était tout le temps fatiguée et essoufflée. Et elle ne grandissait même pas. On aurait dit qu'elle était en train de disparaître. Nous tous là, on pensait qu'elle allait partir rejoindre papa et maman. Heureusement, le test du sida était négatif. Et puis un jour, j'ai retrouvé l'antenne. Tout a commencé par un journal télévisé. Ce jour-là encore, Snata était restée couchée toute la journée. Elle n'avait rien mangé. Madame, monsieur, bonsoir et merci de suivre cette session de l'actualité. La ville de Bobo-Dioulasso vient de bénéficier d'une antenne de très haut débit. Cette antenne, à l'instar de 6 autres déjà installées dans le pays, va permettre aux habitants de Sia de bénéficier des avantages de la plus haute technologie en matière de communication. C'est là au même titre que les pays du Nord. Plus de détails dans ce reportage de Innocent Traoré. Financé grâce au Fonds mondial de solidarité numérique, organisation internationale née en 2005, suite à une initiative lancée par le président Abdoulaye Wade, cette antenne à très haut débit a été installée dans le but de créer de nouvelles activités, de nouveaux emplois et à terme de nouveaux marchés. Mais comment une antenne peut-elle avoir autant de cordes à son arc? C'est un véritable César. Elle ouvre la porte sur le monde entier. Vous pouvez former des gens, donc un instrument très utile dans le domaine de l'éducation. Vous pouvez également mettre des gens en contact les uns avec les autres. Vous pouvez participer à des conférences. Vous pouvez donner une conférence. Et dans le domaine de la santé, c'est simplement extraordinaire. Vous pouvez non seulement consulter un médecin à distance, mais ce médecin eux-mêmes vous opérer à distance, lire une radiographie, être présent lorsque vous êtes en consultation avec votre propre médecin, mais le médecin qui prendra les décisions se trouve à 10 000 km. Dans le domaine de l'emploi, vous avez la possibilité de fabriquer vos produits artisanaux sur place et de les présenter en temps réel à des acheteurs qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Vous pouvez leur assurer le service après-vente, vous pouvez répondre à leurs questions, vous pouvez dialoguer avec eux, vous pouvez essayer de les convaincre. Donc vous avez la possibilité, à travers l'emploi, de faire une place pour vos compatriotes, pour vos amis, pour votre famille. Cette prouesse technologique requiert une antenne émettrice, un satellite et une antenne réceptrice. Un satellite peut servir de relais à plusieurs antennes disséminées sur le globe. Voilà cette technique qui est largement utilisée dans les pays du Nord, fait défausser le continent africain. C'est ce qu'on appelle le fossé numérique. Afin de réduire ces fossés, le Fonds mondial de solidarité numérique a déjà permis à plusieurs associations au Burundi et 6 associations du Burkina de se doter de ces antennes providentielles. C'est ainsi que Ouagadougou, Ouaigua, Zorgo, Djibougou, Banfora et tout récemment donc au Bobo-Dioulasso, comme vous venez de le découvrir dans ce reportage, ont été dotés de cet outil. À Bobo-Dioulasso, vous trouvez l'antenne au siège de l'association. Oh,
Donc l'antenne là-bas lui apprendre à lire peut-être? Oui. Ils ont dit qu'avec l'antenne, on peut apprendre beaucoup de choses. Ah bon? Donc avec ton antenne là, je vais trouver des feuilles pour la popote. Hein? Allez, lève-toi, on va laisser coucher. Aïe, pourquoi tu es têtu comme ça même? Approche, Sinata. Forge. Tu vas me décrocher la moustiquaire? Tu as rêvé? Oui, j'ai rêvé que l'antenne soignait Sinata. Même si elle avait ce pouvoir, Modibo, ce ne serait pas pour des gens comme nous. Alors, oublie ton antenne et va te laver. Je me suis lavé, mais l'antenne, je ne l'ai pas oubliée. Je l'ai cherché partout dans toute la ville. J'ai marché et pédalé jusqu'à fatiguer. Et puis, j'étais en train de me dire que cette antenne n'existait que dans mes rêves. Mais un jour, enfin... Et toi là, tu ne pouvais pas prévoir l'essence, hein? Oh, wallahi. Madame, calmez-vous, il arrive tout de suite. Antenne, tu déranges tout le monde là. Mon petit, des antennes comme ça, il y en a partout ici à Bobo. Je ne parle pas des antennes normales. Celle que je cherche est toute blanche, puissante, grande. Elle est balèze, elle peut tout faire.
Une très grande. Comme le couvert d'une très 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 grande marmite. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Mon petit, des grandes marmites pour faire cuire des enfants. Très très idiots comme toi, il n'y en a pas ici à vous. Une grande antenne blanche comme celle-là, j'en ai vu à l'association Rêve Plus. Ils viennent tout juste de l'installer. Rêve Plus, c'était ici. Ça allait marcher. C'est vrai. Pour moi, ma chair était déjà guérie. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Allah. Hein? Oh. Laisse pas tranquille avec ton histoire d'antenne là, je vais te gifler tout de suite. Ça veut dire quoi ça? Tu vois pas que je suis en retard avec cet enfoiré de taximan? Appelle-moi encore, tu verras. Monibo, ramène le poulet là vite, c'est quoi? Tanti n'y croyait pas. Mais bon. Avec mes parents, elle avait connu l'association Rêve Plus. Elle se souvenait de la présidente, une certaine Martine Sonda. Il paraît que ça soigne les gens. Ça soigne les gens. Bon. Comme la petite est toujours malade, donc je voulais l'amener chez vous. Elle est suivie par un médecin? Oui, le docteur Milogo. Elle a dit que l'antenne pouvait être utilisée dans des cas où on ne pouvait pas trouver des solutions sur place. Merci, à demain. Elle a dit aussi que tout le monde y avait droit et que Sinata devait venir rapidement avec Tanti et son médecin pour discuter. Après, ma tante a dépensé tout son argent pour faire les photos du cœur de Sinata. Les clichés ici, quand même, nous montrent qu'il y a une communication interventriculaire. Au niveau de l'électrocardiogramme, il y a des zones de dépolarisation. Bon, moi, je pense à une cardiopathie congénitale. Docteur. Oui, madame. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Le cœur n'a plus été malade. Mais patientez, j'arrive. Tu m'excuses. Docteur, ça se soigne? Oui, ça se soigne, mais la seule solution, c'est l'opération. L'opération? Oui. Ouais. Mais docteur, nous, on n'a pas les moyens d'envoyer Sina en Europe. Oh, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, avec la fameuse antenne de Modibo, on pourra s'arranger autrement. Je vais pouvoir confirmer mon diagnostic auprès d'un confrère cardiopédiatre qui travaille à Genève. Via l'antenne, avec son aide, on pourra l'opérer ici. Mais je vous laisse réfléchir. Et en attendant, je vais organiser une consultation avec Genève pour la semaine prochaine. Ok. Une opération, même en Afrique, c'est pas cadeau. Et Tanti ne connaît pas de gourou ni de ministre. C'est ça. Enfin, il était là. Une antenne presque comme les autres. Et c'était mon antenne. Les infirmières là sont en train de prendre des cours avec l'hôpital de Dakar. Et la prochaine fois là, ça sera l'hôpital de Suisse. Ouais, je sais. L'antenne fait l'école. On leur apprend à faire moins mal avec le vaccin. Non, c'est un cours sur le VIH sida. Heureusement, les choses ont changé. Tu te rends compte? Dans une dizaine de minutes, on a rendez-vous avec un médecin en Suisse. Ouais, je le connais. Il est très fort.
Tanti, c'est de la magie. C'est comme dans mon rêve. C'est pas de la magie. C'est pas un rêve non plus. C'est le monde qui s'approche de l'Afrique. Martine a félicité le technicien. Il avait bien suivi sa formation. Un noir est apparu sur l'écran. Mais moi, je ne voyais pas mon médecin. Mais où est le docteur blanc? Quel docteur blanc? Bonjour tous. Bonjour. Vous allez bien? Moi, je m'appelle Oumar Diallo. Ils vont faire entrer ma soeur dans la télé avec eux. Je suis chirurgien cardiaque et je travaille actuellement à l'hôpital de Genève ici. Merci Martine Somda, c'est la présidente de Rêve Plus. Moi, je suis la tante. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je suis la tante de Sinata et Modibo. Ah, d'accord. Bienvenue à Genève, alors, comme je disais à Martine. Uh-huh. Donc, j'ai bien travaillé avec le docteur Barreau. Il m'a envoyé tous les clichés radiologiques qu'il a fait sur les cœurs, l'électrocardiogramme. Donc, il y avait un collègue ici qui rassemblait vraiment beaucoup de cardiologues. J'ai demandé l'avis de tous ces derniers aussi. Donc, il est clair, on est tombé d'accord sur un diagnostic. Oui. Il est clair que c'est une communication interventriculaire. OK. Donc, il nécessite une opération donc, qui est très difficile à faire sur place. OK. Mais avec les apports que nous avons à distance, par le biais de toutes ces technologies, je pense que l'opération peut bien se faire sur place. Donc très prochainement, votre fille, on pourrait trouver une solution pour son problème de cœur. Ok, merci. Bien. Le docteur Barreau et le docteur Diallo ont beaucoup discuté. Ils étaient très sérieux. Ils ont aussi parlé d'un malade qui était en Suisse, qui avait la lèpre. Et le docteur Barreau a donné des conseils au docteur Diallo. Dermatologue qui pourrait lui conseiller par visioconférence comme on vient de le faire la semaine prochaine. Tu es de quelle ethnie? Je suis Bobodula. Ah, tu es donc mon esclave alors? Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Depuis quand le Bobo est l'esclave du peuple? C'est vous qui êtes nos esclaves. Mais depuis toujours, vous êtes nos esclaves. J'ai beaucoup d'esclaves à vous, alors. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je vais rentrer très bientôt et puis vous allez voir ce que je vais vous faire. Rien. Vous ne pouvez rien nous faire. OK. Merci. Merci. Et on verra la suite dans les jours qui viennent. OK. Merci okay. beaucoup. Merci. Je vous dis à tous au revoir et on se dit très prochainement. Au revoir, merci. Merci. Surtout merci beaucoup pour l'appétit. Au revoir, bye bye. Il y a quelqu'un? Je lui ai expliqué qu'il n'y avait personne dans la télé, que le docteur était très loin et qu'un jour, on pourrait même lui serrer la main. Bon, voilà, mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Moi, je savais que Tanti ne savait pas comment payer l'opération. Finalement, ça s'est arrangé. Tanti a vendu des tonnes de galettes. Le quartier a cotisé. La cour. Mais ça, c'est une autre histoire. Grâce à l'antenne et à nous tous, le cœur de Sinata est guéri. Maintenant, elle va à l'école tous les jours. Et plus tard, elle deviendra une grande personne. Aujourd'hui, je suis très très contente grâce à mon neveu Modibo qui me fatiguait beaucoup avec son histoire d'antenne. Et j'espère que dans l'avenir, beaucoup d'enfants seront sauvés de la même façon.